Bienvenue sur TVLACAIHAITI.COM. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est jeudi et c'est quatrième sortie nous pour ce maintenant. Avec même plaisir, nous rejoignons dans la vidéo ça pour nous venir informer sur l'actualité. Ce qui a passé dans le pays d'Haïti, franchement, nous presque pas de bouche pour nous parler parce que bagaille en pile est compliqué. Nouvelle ça a choqué en pile monde côté gagné divers mercenaires qui gagnent pour rentrer dans le pays. Après nous connaît force Kenyan nan ki la ki presque pas utile en rien et ben la police tout nous t'a dit presque pas utile en rien tout parce que je dis là ces zones sous zone qui bandi a prend et ben gars reconnu mais c'est depuis sous Ariel Henry qui était déjà fait et ben contact ça pour divers mercenaires qui rentrer dans le pays et ben je dis sous gars reconnu mesdames et messieurs et ben bagaille ça lui même lui toujours là et mercenaires gain pour rentrer dans le pays et Guy Philippe qui lui-même déjà recevoir nouvelle ça monsieur fâché monsieur dédoublé là et monsieur déjà parlé et nous va le faire entendre déclaration Guy Philippe dans vidéo ça mesdames et messieurs Maître Caleb Jean-Baptiste mesdames et messieurs dans rendez-vous 33 et ben qui au même tape fait un gros rassemblement et sortant d'y là la police débarqué et la police fermé et divers journalistes en dedans et pas quitter nèg yo sorti et ben Maître Caleb Jean-Baptiste dédoublé Maître Caleb Jean-Baptiste mesdames et messieurs mais fâché pour le mourir parce que et l'état haïtien empêcher peuple là exprimer sa ressenti empêcher peuple là et ben fonctionner empêcher peuple là vivre je dis à là quel que soit côté et ben peuple a levé campé pour demander à l'état pour responsabilité et la police débarque sur tande ya yo craser mouvement yo bay gaz yo frappé moun yo pété balle alors que mes bandi a touye moun cabaret bandi a touye moun solino bandi a touye moun gressier bandi a touye moun gantier torsel quoi des bouquets. Eh bien, la police pas qu'a fait un. Est-ce que c'est volonté pas gain ou bien tout c'est négnant qui pire au place qui pas décidé pour policier ou même bail population sécurité et dans vidéo ça nous va inviter au gain tout détail restez connecté bon écoute tout le monde n'a tourné m'a bien parlé et qui Jean Haïti fait un contrat compagnie ça c'est en 2023 mars 2023 général Wesley Clark. Par contre, c'est haïtien contre général ça. Monsieur était en époque responsable toute Europe là. T'as contrôlé toute Europe là pour alliance Europe avec Américain yo. En Europe, c'est l'été général l'armée NATO. Monsieur vient retirer, monsieur son politicien américain actuellement là, monsieur chita nan bout compagnie ça. C'est lui même qui t'a écrit Ariel en lettre. Là où Haïti gen problème de sécurité, il dit premier ministre Ariel yo capable d'aider. Donc Ariel t'a joint Yon pour parler ensemble avec lui et mais parler a pas fini parce qu'il a été tombé donc parler a vinn continuer sous Gary Coni ça pour moun yo vle pour comprendre c'est pas un compagnie qui vient comme ça là c'est un compagnie et un groupe défenseur plus intelligence ça veut dire sous un problème l'intelligence sécurité non pays yo raido c'est pas qu'importe moun l'esprit clac là le côté bien dit vraiment monsieur c'est un démocrate. Li sorti dans groupe mon Clinton yo c'est même zami yo c'est même groupe mon yo donc pour gon moun konnen compagnie arrivé comme ça là non li pas arrivé comme ça son contrat gouvernement américain konnen li là pour commencer tout aucun groupe sécurité aux États-Unis va venir en Haïti pas à aucun côté c'est pas passé par son page non lettre dans le ministère de la défense et de Pentagone depuis ou venir là yo konnen yo là job yo vraiment c'est vinn training la police avec l'armée c'est job yo même. Parce que moun ki en tête là qui nan bout là c'est un ancien général l'armée américaine c'est général Wesley Clark bon peut-être tout monde met avec Google après qui moun nié monsieur ta une élection 2008 il était perdu il pas passé en face Obama il était perdu dans primary c'est moun ça yo donc c'est comme ça monsieur rivé là donc premier ministre Gary Coni t'a parlé avec monsieur ça yo en bachal bon son mec qui fait quoi c'est pas mec qui fait dans radio dans banque il va faire comme ça. Il t'a parlé avec eux vraiment. Et qui moun ki nan groupe ça? C'est moun ki nan CIA, c'est moun ki nan FBI, c'est style de moun ça qui nan groupe ça, qui formé, si qui formé groupe ça. Américain noir. Mais c'est pas depuis soir Ariel Henry. Oui, depuis soir Ariel Henry mentionné ça au gain té dans pays là. Et c'est yo té travaillé deux conseils avec police nationale, pas qu'a dit, yo pas au courant que mentionné dans pays depuis soir Ariel Henry. Donc c'est des Américains noirs, haïtiens américains. Et en plus, là-dedans, c'est militaire. Et puis, vous rentrez, vous venez là, vous venez travailler, bien sûr. Job Negio, c'est défendre le gouvernement pendant qu'il a éliminé tout le monde qui a tourné en croque dans la transition.
Donc c'est eux qui sont là, qui ont défendu Ariel Henry, même dans l'assassinat. Allô? Oui, nous là. Avec vous, c'est sous 5. Même dans l'assassinat avec Bessap, M. Bessap, moi, ils ont mis uniforme UTAG sur eux, ils ont dit toutes les autres qui ont fait là, ils ont dit assassinat avec ça. Donc, personnel, ils viennent là, ce n'est pas pour faire un bagarre d'entraînement à la police, ils viennent là pour tuer les gens, assassiner les gens, kidnapper les gens, pour les transitions, et ça, ambassade américaine au courant, l'État américain au courant. Donc, il va pas être dans la cité, son seul bail, il va me souhaiter. Mais Kounia, sénateur, Sanda, mais qu'on est Kounia, soit il y a un bon titre là, que le balade, t'es comme la carotte sous DCA, est-ce que Kounia là, est-ce que Gary Colli, Kounia là, livré comme si réactivé monsieur, ou bien pour l'autre groupe, il vient augmenter sous chiffre qui est là déjà. Quand il y a la réalité là, sous pression, sous les conseils ambassade américaine, il y a fait quelques nègres gratuits. Il y a à peu près 2 douzaines. Sous conseil ambassade américaine. Avec Gary Colli, c'est pas rien encore. On est déjà là. Depuis soir, il y a un au cas où une lettre côté général Wesley Clark, bagage ça, on a écrit, on a dit, mais c'est là, depuis soir, il y a un Henry. On met quoi? Et on va suivre dans plusieurs assassinats déjà en Haïti. Il vient là pour faire pression, pour faire bagage, pour faire travail gouvernement, surtout travail, ça, ambassade américaine, vous faire dans le pays. Non, ça, est-ce que là, sénateur, la bataille qui est là, et que nous voyons que le conseil présidentiel là lui-même, il n'est pas au courant de bagage ça, à ce qu'il paraît. Et ils ont invité le Premier ministre pour venir répondre à cette question-là. Est-ce que ça veut dire l'ambassade américaine, c'est la première fois qu'il a embrassé et décidé de venir avec le Sénat? Je vais expliquer le pays à l'ambassade. L'ambassade américaine, elle était peur, pas qu'on ait paniqué avec le mouvement révolution. Ils ont couru pour une formule, une solution qui va être capable de marcher. Même le CEO, même qui mettait 9 nègres, mais il n'y a pas fait confiance là-dedans. Bagaille secret ça, bagaille ça, il a fait avec Gary Colli, qui c'est petit que c'est eux qui choisissent, qui fait venir là. Pas oublier Gary Colli, c'est comme mandat pour te arrêter. Ambassade américaine fait rentrer mon mandat, et puis, ambassade américaine imposé comme suivi. Nous va pas dire 4 jours là. Ambassade américaine te réunit tout ministre, excusez-moi, tout est juge VIA, oui, dans l'hôtel qui arrive. On va mettre tout le monde, vous faites. Qui les a, c'est vrai, c'est pas nous là, oui. Oui, il faut rencontrer tout juge VIA pour avoir instruction pour dire qui ça peut ouvrir, mais qui gens, il va paniquer. Tout le monde a essayé de faire transition, ça va bien que hier encore, Anthony Blinken, il dit que il va instructionner tout le monde qui vient déstabiliser transition, ça. Bon, et pendant la logique, ça, si on va permettre que Bandeau le vous commentez sur ça, mais on est obligé de tout garder ça avec vous. Il y a l'ONU qui sort un rapport qui a défini la stratégie gang en Haïti, comment il y a pour opérer là. Et dans ce rapport, le nom de Guy Philippe est clairement mentionné qui a un rapport avec gang de travail pour te mettre au président. Qui commente sous le rapport ça? Bon, à moins que l'Américain pense que le peuple haïtien, c'est les gangs. Qui m'a demandé mon président? Qui m'a dit c'est le diaspora, c'est le peuple haïtien, tout partout. De côté, il y a qui l'ont fait un sondage. Le peuple haïtien s'est salvé. Il voulait un monde que les États-Unis va contrôler. Il voulait un monde qui met tête. Un monde qui, seul bagarre, seul objectif, c'est bonheur, peuple haïtien. C'est ça que le peuple a choisi. Nous avons parlé de l'Emdal Group Naïve. Moi, je suis naïve. Il a oublié qu'il a été kidnappé comme sénateur en pays, illégalement, arbitrairement, il a kidnappé Mme Lagayo. Pourquoi c'est les États-Unis qui ont mes gangs? Qui est-ce qui a mes gangs? Tout le monde va contre les États-Unis. Qui est-ce qui fait gang? Tout le monde ne sait pas contre Mme Laline. Il va connaître le Pédin à Guerin Fédéré. Monsieur, qui m'a baillé là? Quand vous avez sorti? Bon approche vous capable de faire avec rapport ça, oui, et sénateur. Bon, comme c'est Mme Gutiérrez qui représente l'ONU en Haïti, bien que nous connaissons le rapport ça, c'est 2-3. Si expert américain, pas comme on a un là, qui va l'actiser mieux pour faire rapport pour craser le monde, pour politique, pour bagaille ça. Comme Mme Gutiérrez sur équatorienne, c'est pas un Libanais, m'a dit. Madame Salvador. Madame Salvador, Maria. Je vais vraiment pisser sur moi. Sanction l'ONU. Il y a un pays qui a crasé depuis un siècle. États-Unis. Mais c'est là, ça c'est là. C'est une misère chronique. Depuis 1860, c'est mis à bas pour nous. Nous venons passer des décennies. Nous ne pouvons pas prendre nous. Depuis 100 ans, ils ont pillé sous tête. Ils ont occupé, ils ont volé toute la guerre. Actuellement, ils ont créé des gangs. Il y a peut-être des gens là, dans Matissan, dans Cafoufeuille, dans Quadapouquet, dans Solino. Tout le monde a volé sa guerre en bataille. Et puis, quand il y a là, il y a le tout père parler de mouvement sanctionné. Ils vont mettre tête en avant. Ils vont mettre ambassade américaine en avant. On va parler de ça.
pendant parler de sanctions sénateur on bagarre nous ca tout commencer ouais là parce que yo parler de dans rapport aussi des non et puis qu'on a la main nèg parler de sanctions puis après prochainement vient de dire Philippe sous sanctions non et Blinken il fait alors bien quand on m'a sonné l'autre Blinken il a annoncé lui il a voulu transition il a sanctionné vas-y très fort nous ca rendre mon service s'il vous plaît. Journalistes, nous témoins. Nous-mêmes, nous avons oublié là, car nous avons une bataille démocratique contre le pouvoir illégal de facto ça, qui a un CPT illégal, corrompu, braqué, et qui a un premier ministre Gary Conny, illégal, avec tout le gouvernement. Nous-mêmes, comme démocrates, côté que, qui a un chef opposition, pas pour avoir bouché pour le jour. Et ça, on va mettre en dehors, pour que chef opposition, qui c'est DG Jean-Claude Joseph, c'est qu'il est venu assassiner. La première fois, mon bagage comme ça, la police rentre dans l'espace privé au monde sans juge de paix, nous témoins. Qui pique aux violations, qui n'est qu'à gagner que ça. Gardez, je vais me garder, je vais me garder, je vais me garder. Mais yo, la personne dit tout n'est qu'à Nous demandons l'instant,